logique identitaire, logique réactionnaire, on se laissera pas faire. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées samedi après-midi dans les rues de Lyon pour une riposte antifasciste. Étaient présents dans le cortège de nombreuses organisations de gauche et d'extrême gauche, une manière selon eux de dénoncer une montée en flèche de l'extrême droite. Lyon a souvent été un terreau propice à l'extrême droite. Ça s'était un peu calmé depuis quelques années et puis depuis quelques mois, on assiste à la résurgence d'actions de groupuscules d'extrême droite, fascistes, violents, qui tentent de semer le trouble dans les rassemblements politiques, dans les manifestations, dans le mouvement, les expressions du mouvement social. Un trouble en effet constaté depuis quelques mois dans l'agglomération lyonnaise par les membres du réseau de vigilance 69. Depuis septembre dernier, on peut constater qu'il y a eu des tentatives d'intimidation, par exemple sur la bibliothèque du 4e arrondissement de Lyon pour lui faire retirer une exposition sur les sans-papiers. On peut parler plus récemment lors du rassemblement contre la venue du ministre Éric Besson à la préfecture sur le débat sur l'identité nationale, d'une charge violente surprise d'une quarantaine de nervis d'extrême droite qui ont chargé le rassemblement et qui ont cassé la jambe d'un manifestant. On peut parler de l'agression physique de militants syndicalistes qui sortaient du restaurant à Saint-Jean et qui se sont fait rouer de coups pour le simple fait d'être militants syndicalistes identifiés. Donc il y a des actes bien réels qui sont une expression haineuse et violente de ceux qui voudraient répondre à l'expression du mouvement social par la terreur. Des heurts ont éclaté entre un petit groupe d'extrême droite venu provoquer et des manifestants. Mais aucune interpellation n'a été effectuée et la manifestation a pu continuer sans incident jusqu'au Cordelier.